tout le monde. Voilà, on est arrivé vers, vers 16h. On est à Gruissant. On a trouvé une aire à 10 euros avec l'eau, la douche. On est au bord de l'eau là, juste à côté. Il fait super beau, un peu de vent, mais bon, ça va, ça va. Ici, c'est les vidanges là, en face. Et comme je vous disais, on a la douche chaude avec le prix, disons, les toilettes là-bas. Voilà, une petite promenade avec Hugo pour ses besoins. C'est pas joli là quand même. C'est sympa, hein. C'est là le camping-car. Très calme. On a bien dormi. Comme on disait, c'est l'aire de camping-car 80. À Gruissant. Alors il y en a deux. Hein. Un peu similaire. Un tarif actuellement de 10 euros, mais bientôt ça va passer à partir du 1er juillet à 11,50. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même il y a la douche chaude. Voilà, les petites corvées commencent. Je... Alors ma Cécile, ça bosse? Ouais. Petite lessive. Première lessive? Ouais, deux fois bricoles. Histoire de ne pas entasser trop. Oui, puis on profite qu'il y a de l'eau à tout va ici. Bon bah, comme ça on fait la vaisselle. Enfin la vaisselle, n'importe quoi, la vaisselle. La lessive. Nickel. Non, on a autre chose pour faire la lessive, on vous montre un peu plus tard. On l'a rangée, on l'a pas encore sortie. Ah, parce que Cécile, elle pense qu'elle avait un peu de trop là. Donc c'est pour ça qu'elle a pris la cuvette. Là. Voilà. Donc la conclusion, on a trouvé que ces petites épingles, ok, ça peut dépanner. Mais lorsqu'on est pas trop tendu, bah, ça glisse. Du coup. Et des pinces comme ça là, et c'est bien mieux. Donc, voilà, pour étendre. Là, ça fait digne d'une corde à linge. Hein, Cécile, c'est mieux là. Ouais, j'ai trouvé des solutions. C'est pas encore au top, mais. Waouh, on va s'arranger. On découvre le produit. C'est pas mal, mais, c'est pas mal. Non, avec des vrais pinces à linge et bien tendu, c'est bien. Ouais. Mais ils sont où les autres épingles à linge? Fred me les a laissés à la maison. Ah, MDR. Donc ça... je vais être obligé d'en acheter. Ah mince. C'est pas possible. J'en ai pas assez. T'en es certaine? Bah, on va chercher quand même. Bon. Dans le doute, on va chercher. Allez, on vous laisse. Regardez, Cécile, la mauvaise langue. J'avais tout préparé, moi. Ils sont là, il m'a fait une blague. Eh, vous savez, les bonhommes, on assure. Hein. Franchement, on assure. Ils étaient dans la malle, là. Voilà. Voilà. Et la flemme de chercher, Fred m'a dit voilà. Non, je ne les ai pas pris. Et Cécile, têtue, elle savait qu'elles étaient là. Non, mais je le savais, mais c'était pour voir. Parce que si je suivais. C'est juste pour voir. Sympa. Ouais, c'est immense, hein. C'est super beau. C'est magnifique. Tu me cherchais, hein? Voilà, on va donner. On a acheté ça, je sais plus où. Anose. Ça, c'est pas mal. Petit gobelet là. Un tout petit peu. Allez, Hugo, à la tienne. Ah, bah d'accord. Hugo, viens. Allez, bois. Il est épuisé. L'apéro. Il n'y a que de l'eau, hein. Il n'est pas dopé encore. Tiens, Hugo. Allez, Hugo, bois, ça fait du bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on est lundi quoi? Lundi 5 juin. Lundi 5 juin,
on va en direction d'Espagne à Jonquera. Entre temps, bah, ça y est, les premiers soucis. J'ai mon convertisseur 1500-3000. J'ai des fusibles qui chauffent. Je sais qu'il y avait déjà eu ce problème là, mais ça m'est résolu et là bah, ça recommence. Donc voilà, ça redémarre des petites bêtises, enfin des bêtises. Des petites galères. Des petites galères, rien de grave. Et puis il faut qu'on trouve aussi une poussette. Ouais, on a trouvé que Hugo. Il a du mal à marcher. Alors soit c'est l'arthrose qu'il a depuis en vieillissant, ou soit c'est les coussins. On a regardé ses coussinets, il n'a rien, mais il a du mal à marcher. Donc si on veut se promener avec lui, bah, il faut qu'on trouve une poussette. Voilà, super, le début du voyage. Bon, sinon, l'air de bruissant, c'était pas mal, c'était très bien, très calme. Ouais, franchement, la nuit, c'est super calme. On a eu de la chance, pas de vent. Pas trop de vent, c'est... Pour le prix, 10 euros, vous avez l'eau à volonté. Et la douche chaude. La douche chaude, franchement, c'est très bien, on vous recommande. C'était le bon point à la deuxième sortie. Allez, voilà, là, on continue la route. On vous retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous. Bon, ça y est, regardez ce qu'on vient d'acheter. On a acheté une petite charrette, une poussette, ça y est, pour Hugo. Ça y est, on a trouvé à Carrefour. Et on a acheté une qui fait presque nomade. Ouais. On vous la montrera quand on fera le déballage. Ouais, quand on fera un unboxing. Quand on mettra Hugo dedans, on vous montrera ça. Là, ça va pas être évident non plus. Ouais, il va falloir qu'il apprenne à rester dedans. Bon, on va l'attacher, mais. Donc, je pense qu'on va déjà le faire marcher comme ça. Et quand il va être fatigué, il va comprendre que ça peut être intéressant pour lui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pas pour notre toutou, hein ? On n'a pas le choix. Bah, on n'a pas le choix, sinon on peut plus se promener. On a essayé encore hier soir, travers un bébé. Même après la nuit passée, ce matin, je l'ai sorti. Il n'en pouvait plus. Il avait trop mal aux pattes. Mal aux pattes ou au bassin, on ne sait pas. Ouais. Pourtant, il n'a pas eu quoi que ce soit, mais il n'a pas fait de chute ou quoi que ce soit. Il faut qu'il s'adapte au voyage aussi. Hein. Bah, grave. Donc voilà, les copains. Mais bon, c'est une dépense supplémentaire qu'on n'avait pas calculée. Ouais, c'est ça. Allez, on va lui montrer à Pépère. Et voilà, ça y est. On a trouvé. C'est monté. Regardez, se porte bien. Oh, regardez s'il est pas bien là-dedans, Pépère. Regardez mon bébé poilu. Attendez, je fais un tour là. Impeccable. Je crois que c'est plus feignant que nous, je crois. Hein. Voilà. Ça va, Hugo? Ça va, tranquille. Alors, tes impressions? Ah, tu vas être bien, là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on l'a attaché là, comme ça, avec les deux sangles. Ah, impeccable. Il a le harnais qui va bien. Ah, il faut que tu bouges, hein. Alors? On va prendre une photo.